Connectez-vous. Connectez-vous. Une révélation très capitale. Mettez-vous en ligne. Partagez ce direct. C'est très important. C'est une révélation. Ce qui se passe en ce moment. Je vais alerter tous les Ivoiriens, tous les Africains et tous ceux qui suivent la politique ivoirienne. C'est une information de source sûre, une information très très capitale que je vais vous livrer ce soir. Donc connectez-vous. Connectez-vous, 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 c'est important. Connectez-vous, connectez-vous, c'est important. Il se peut que Laurent Gbagbo n'arrive pas en Côte d'Ivoire le 17 juin 2020. Tiens, oui, par rapport aux informations que j'ai en ce moment, ça ne vient pas du côté du FPI, ça ne vient pas du côté de l'opposition, ça vient du côté du pouvoir en place. Ce qui se passe en ce moment, c'est dangereux. L'heure est grave. Alors, connectez-vous, partagez la vidéo dans les différents groupes. Téléchargez cette vidéo sur les différentes pages et partagez cette vidéo sur vos différents murs pour informer les uns et les autres. Taguez ceux qui veulent bel et bien avoir cette information de source sûre. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien et bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, c'est que plaide royal, padrino, camarade, désolé, ou la moudja. Alors, pour ceux qui savent bel et bien, ils savent que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de la petite soeur d'Alassane Ouattara qui était parti voir un marabout dans le but de faire gagner son grand frère Alassane Ouattara lors des élections précédentes, c'est-à-dire les élections passées de 2020. Voilà. Et suite à ça, sa petite soeur était tombée malade, elle était hospitalisée à l'hôpital. Je pense qu'elle a réglé le jeton de la personne. Alors, avant d'avoir, parce que je ne savais pas que la petite soeur d'Alassane Ouattara était partie voir un marabout, c'est quelqu'un qui m'avait informé. C'est quelqu'un qui était dans le gouvernement et qui est toujours dans le gouvernement ivoirien qui m'avait donné ces informations. Et cela s'est avéré que ces informations étaient vraies. Puisque j'ai causé avec le marabout lui-même. J'ai causé avec lui. Et j'ai toujours son numéro. Mais la petite soeur de Dramane Ouattara a pu régler ce problème-là. Elle a donné le jeton du monsieur. Donc, bref. Parce que ceux qui pensaient que je mentais, non, je ne mentais pas. Elle a bel et bien payé son jeton parce qu'elle savait que si elle ne payait pas, elle savait ce qui l'attendait. Elle savait ce qui l'attendait. Alors, la personne qui m'avait donné cette information, et cette information s'était avérée vraie, cette même personne vient de me livrer une information sûre. Une information de source sûre parce que la personne même est assise au cœur même du gouvernement. La personne est assise, je dis bien la personne est assise même au sein, au cœur du gouvernement ivoirien. Voici ce que la personne me dit. Je ne vais pas dire nom de qui que ce soit. Voilà, je dois protéger l'identité de ces gens-là qui m'informent. Parce qu'il n'est pas bien de dire nom des personnes qui t'informent. Non, je ne peux pas livrer qui que ce soit. Donc, n'ayez pas peur. Tous ceux qui ont des informations de source sûre, informez-moi et on va poursuivre. Je ne vais pas vous exposer. Alors voici ce qui se passe. Je vais m'hydrater la gorge et je vais vous donner ce qui se passe. La personne m'a contacté aujourd'hui pour me dire, Dieu, s'il te plaît. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas sur WhatsApp, hein? C'est pas un numéro direct comme ça. Hein?
Désolé. C'est une machine, en fait. Alors, donc, on ne cause pas sur Facebook, on ne cause pas sur WhatsApp, ce n'est pas un appel en direct. On ne sait pas où on cause pour essayer de, hein, d'échapper aux écoutes téléphoniques de ce gouvernement et sa bande. C'est la personne même qui m'a demandé d'installer un logiciel qui est très important pour qu'on puisse causer là-bas. Voici ce que la personne m'a fait comme révélation. Parce que cette histoire de Gbagbo va arriver en Côte d'Ivoire là. La personne m'a dit que ça agace le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il ne veut pas voir Laurent Gbagbo arriver en Côte d'Ivoire. Il dit, mon petit Guégué, ce que je te dis là, je sais de quoi je te parle, on est au cœur du gouvernement. On sait ce qui se passe. Et on sait ce qu'on a pris comme décision. On sait ce qu'on a décidé de faire pour empêcher Gbagbo d'arriver en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, vieux père, vous avez dit quoi? Je ne l'appelle pas tonton et tout. Je l'appelle vieux père, lui m'appelle mon petit. Il dit, Guégué, avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, il y aura un coup d'État qui va se passer en Côte d'Ivoire. Il dit oui, il y aura un coup d'État. Donc, je ne vais pas te donner la date. Mais on a déjà mis quelque chose sur pied pour produire un coup d'État. Et le coup d'État, là, c'est le président qui a demandé au ministre de la Défense de tout faire pour produire un tel coup d'État. L'objectif, non seulement, ce n'est pas pour empêcher Laurent Gbagbo seulement d'arriver en Côte d'Ivoire, mais le gouvernement ivoirien reproche à certains gendarmes de Côte d'Ivoire, à certains militaires de Côte d'Ivoire d'être des traîtres. Et ces gens-là sont soupçonnés d'être en connivence avec l'opposition. Et donc, il faut créer ce coup d'État, non seulement pour les neutraliser, et quand ce coup d'État va se passer, ils vont dire que des gendarmes et des militaires ont essayé de renverser le gouvernement ivoirien et ont été neutralisés par les forces, par les forces spéciales. Mais c'est le gouvernement même qui va créer ce coup d'État. En retour, le gouvernement va décréter, c'est-à-dire un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire. Suite à ce coup d'État-là, il aura un couvre-feu qui sera décrété partout en Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui empêchera la population de sortir, ce qui empêchera Laurent Gbagbo de rentrer, parce que les autorités ivoiriennes trouveront comme argument le pays ne va pas bien, il y a un coup d'État qui vient de se produire. Alors, pour mettre ça en action, Jean-Yves Le Drian, il va aller là-bas dans les jours à venir. Il sera en Côte d'Ivoire pour aider, pour donner l'ordre, c'est-à-dire pour faire des entretiens avec le gouvernement ivoirien. Le gouvernement ivoirien va informer la France de ce qu'il compte faire. Et donc, Jean-Yves Le Drian va là-bas spécialement pour que le gouvernement ivoirien montre ses plans qu'il veut mettre sur pied. Afin que la France puisse prendre connaissance de tout ça et venir faire les rapports à l'Élysée. Parce qu'on ne sait jamais, à travers des messages, il peut y avoir des interceptions. Donc pour éviter toutes sortes d'interceptions, pour éviter toutes sortes de trucs de fuite, Jean-Yves Le Drian sera en Côte d'Ivoire dans les jours à venir, pour que le gouvernement ivoirien montre son plan qu'il compte mettre sur pied. Parce que non seulement la France ne veut pas voir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et le gouvernement ivoirien ne compte pas voir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'agit des intérêts français et il s'agit du suivi du gouvernement ivoirien. Parce que si Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien n'aura plus sa force qu'il a pour brimer le peuple ivoirien et avoir toujours cette méchanceté envers le peuple ivoirien. Alors, pour continuer dans cette méchanceté, pour brimer toujours ce peuple, il faille, coûte que coûte, d'empêcher l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et suite à ce coup d'État-là, j'allais dans les Ivoiriens, ce que Guégué dit là, c'est une information de source sûre. Donc, si vous pensez que Guégué ne dit pas la vérité, attendez les jours à venir, avant le 17, le coup d'État va se produire. Il se peut que ça se produise entre le 14 et le 15 juin.
entre le 14 et le 15 juin. Mais il m'a dit, Gégé, ça sera entre, à partir de 10 et on monte là-bas, c'est-à-dire au-delà de 10, le coup d'État va se passer. Donc il m'a fait comprendre qu'il ne va pas me donner la date exacte. Ça peut être le 11, le 12, le 13, le 14. Mais il m'a dit, avant le 17 là, il faudrait que le coup d'État se passe. Donc fais une vidéo pour alerter les gens. C'est ça qui m'a poussé à venir m'asseoir devant ma caméra pour alerter les uns les autres. Télécharger cette vidéo, c'est important. Et informer les gens pour déjouer ce coup de Ouattara et sa bande. Parce que une fois que cette vidéo prendra une grande proportion visuelle, les gens sauront ce que Ouattara et sa bande préparent. Ça va peut-être les mettre en déroute et ils ne vont plus faire le coup d'État parce qu'ils sauront que les Ivoiriens sont déjà informés de leur coup. Alors ils seront dans l'obligation de changer de stratégie. Ils seront dans l'obligation de changer de stratégie. Donc c'est une information que je vous donne. Je ne suis pas venu pour durer devant ma caméra. Je suis venu pour vous livrer cette information. Informer les membres du FPI. Et quand cela va se passer, Ouattara trouvera comme argument et impliquera les opposants qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment dans cette affaire comme prétexte pour pouvoir les arrêter. Est-ce que vous comprenez? Pour dire, les membres de l'opposition ne sont pas sur une voie de réconciliation, mais ils sont donc, quand vous voyez bien leur démarche, leur dhumanie, les discours qu'ils tiennent, les Adama Bitogo, le discours qu'ils tiennent, c'est une manière de faire comprendre aux gens que non, les opposants ne sont pas pour la réconciliation. Voilà pourquoi ils alertent. Derrière leur communication se cache un plan diabolique. Et les gendarmes de Côte d'Ivoire doivent prendre garde. Parce que beaucoup parmi vous vont tomber avant le 17. Beaucoup parmi vous vont tomber. Beaucoup parmi vous vont tomber au sein des forces de défense et de sécurité. Je vais parler des militaires de Côte d'Ivoire. Beaucoup parmi vous vont tomber. Parce que ce qui va se passer avant le 17, c'est une manière de faire croire aux gens qu'il y a un coup d'État qui a été déjoué. Et tous ceux qui étaient impliqués dans le coup d'État ont été neutralisés par les forces spéciales de Ouattara. Mais c'est eux-mêmes qui vont organiser ce coup d'État. Et ensuite, ils vont décréter un coup de truc en or, un couvre-feu général, un couvre-feu national. Personne ne va sortir, personne ne va circuler de telle heure à telle heure. Comme argument, non, le pays est en guerre. Un coup d'État vient d'être déjoué et tout. Mais le rang Gbagbo, dans de telles circonstances, il ne peut plus rentrer. Il sera obligé de faire marche arrière. Dans de telles circonstances, personne ne pourra aller encore à l'aéroport dans le but d'accueillir Laurent Gbagbo. Et donc, cette histoire d'accueil triomphal va être enterrée. Voici le coup que Ouattara et sa bande préparent. Donc, je vous informe, je ne dis pas, mais c'est une information. Et cette information vient même du cœur du gouvernement. Il y a quelqu'un qui me l'a donnée. Cette même personne qui m'avait informé sur le cas de la pétition de Dramane Ouattara, c'est cette même personne qui vient de me donner. Puisque sa première information était une information avérée, qui s'est soldée par une vérité absolue. Quand il m'avait dit ça au début, je ne croyais pas. Je doutais. Parce que je me disais, non, c'est faux, lui là, il était où? Comment il a su que la pétition d'Alassane Ouattara allait faire maraboutage, ceci, cela. Donc, je ne croyais pas à ce qu'il disait. Mais lui-même, il m'a dit, parce que j'ai pris mon temps pour lui poser des questions. Il dit, bon, si c'est le cas, je te mets en contact avec le marabout en question. Le marabout en question, il m'a dit, Gégé, est-ce qu'on peut se croiser? Au début, j'étais réticent. Je dis, bon, on va se croiser pour faire. Il dit, non, viens, on va se croiser, je vais te montrer certaines choses. Et c'est suite à ça que Gégé a compris que, ah, donc c'était vrai. Parce qu'il a un cahier bel et bien. Tous ceux qui viennent chez lui, mais il a leur nom et tout.
Et les dates, les différentes dates auxquelles ils sont passés chez lui, tout est mentionné. Donc, ce n'est pas une nouvelle écriture pour que quelqu'un puisse dire, ah, mais c'est un nouveau cahier, ça a été écrit récemment. Mais c'est un vieux cahier. Quand j'ai regardé le cahier, j'ai vu que ah, les écritures qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des nouvelles écritures. Ce sont des vieilles écritures, des écritures anciennes. Donc, c'est qui m'a poussé à certifier la thèse comme quoi la pétition du président était partie bel et bien chez ce monsieur-là. Et c'est ce même monsieur qui vient de me donner les informations. Vous pouvez prendre ça en compte comme vous pouvez ignorer. Mais vous devez savoir que le coup d'État est en préparation avant le 17. Ils ont tenté d'empêcher les gens d'aller accueillir Laurent Gbagbo. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas empêcher les gens d'aller accueillir Laurent Gbagbo. Or, ils ne veulent pas. C'est l'arrivée de Gbagbo. L'arrivée de Gbagbo là. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent coûte que coûte empêcher Laurent Gbagbo d'arriver en Côte d'Ivoire. La dernière option, faire un coup d'État dans leur propre camp, neutraliser des militaires qui soupçonnent d'avoir des contacts avec l'opposition, Soro Diom, Laurent Gbagbo et les autres opposants de Côte d'Ivoire. Les mettre hors d'état de nuit, les neutraliser, les tuer eux tous. Ensuite, décréter un couvre-feu national et empêcher les gens de circuler. C'est qui fera que Gbagbo annulera son voyage. Et suite à ça, ils vont dire, bon, suite à nos enquêtes, on constate que le FPI et le GPS sont impliqués dans le coup d'État. Et donc, Laurent Gbagbo, comme il est le leader du FPI, il fait partie de ceux qui ont planifié le plan. Voici le problème. Ils vont encore mettre un autre problème juridique sur son dos pour dire qu'il est recherché. Et ils vont faire semblant de lancer un semblant de mandat d'arrêt international contre lui pour dire qu'il est recherché. Ce qui va empêcher son arrivée en Côte d'Ivoire. Voici le plan qu'il prépare. Donc, je ne vais pas durer. Je vous remercie infiniment. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Vive les opposants ivoiriens. Et courage à ce peuple. Mais sachons bel et bien que le gouvernement ivoirien, on fera tout pour enlever ce gouvernement ivoirien au pouvoir. C'est leur dernier mandat qu'ils sont en train de faire. Leur dernier règne qu'ils sont en train de faire. D'ici 2025, ils ne vont plus continuer. Ça sera leur fin. Sur ce, ciao.